Nulle la corrupe sur ma ceinture, me demande Abby. Oui, parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'a dans le raid à part toi, je pense. Ça c'est bien quand t'as plusieurs personnes qui l'ont pour les stats. Ah non, c'est même pas. Non, j'ai mal lu, c'est le truc d'AOE, non, c'est comme vraiment très très nul le truc d'AOE pour toi. Attaquez-les! Héroïsme! T'es invulnérable et rien, t'inquiète. Je t'ai mis mes sacrifices. Focus les heals! Le moine là quasiment mort. Il y a le porteur en arrière de nous, la Vlad, qui arrive sur la gauche. Je sais pas si Artemis a besoin d'aide ou pas. Allez, tue-le! Yes! J'ai tout le monde. Je vais vous abandonner, je vais aller aider le chaman. Qui a notre flag. Il y a Scorbut qui l'attaque. Ah, c'est Scorbut! Oh non, notre chaman est mouru. Ça me m'aide. Bon, c'est pas grave, on tue tout le monde. Focus groseille. Il est mal le chaman. Il nous insulte. L'île de Archimonde, c'est normal. Où je me régène, moi. Attention, Abby, meurs pas. C'est bon, full mana, j'arrive à Abby. Allez, focus le heal, l'ennemi là. Gondir, je le stun. 6 secondes, full stun. Leur porteur, il est où? Tapping coup. Oh, c'est bon, il est toujours en arrière. Commençons à s'avancer un petit peu pour aller attaquer leur porteur. Ah, il arrive le chasseur, 300 000 PV. Putain, il va encore se faire tuer. Le chaman. Rien, veux-tu aller chercher le flag après avoir tué le chasseur? Tu vas camoufler et tu passes par le centre. Restez ici tout le monde, attaquez les mages, l'empêcher de le passer. Abby, ouais t'es bien, ça va, je suis là. Et tu passes par l'eau.
Au lieu de faire de coller le mur comme ce qu'il fait le chaman, qui va en forme de voyage dans l'eau, et je te rejoindrai à mi-chemin. Pourquoi notre moine il est allé de l'autre côté? Pourquoi il est allé si loin, je te jure. Reculer, reculer, reculer vers le pont. Il n'y a plus qu'un seul île. Passe dans l'eau en forme transformée pour être caché, pour pas qu'il te voit. Voilà, au fond de l'eau. Tu m'as donné un billet. Avance, avance en forme de voyage. Voilà. Bon, ça, le deuxième île est juste à côté de nous. Vas-y, trace, trace, tout droit vers le pont en avant là. Forme d'ours, trace plus. Doucement, tape les gens qui sont sur toi. Je vais tenir Amika tout en te healant. On protège Ariane. Leur porteur, il est où? Il est en train de traverser. Va pas trop vite, va pas trop vite. T'appeler là. Tu peux même les taper en forme normale. Ah, t'es invulnérable là. Tu peux taper. Un go sur le. Juste ici. Là, il se fait attaquer le heal ennemi. Je peux aller sur le socle là. Un go la récup. Non, on reste vraiment sur le socle. Si tu vois qu'il y a des gens sur en haut, tu peux te mettre ici là. Ils ont repop un chez eux. Allez, j'ai confiance à vous, vous pouvez le faire. Attaquez tous en même temps. Je me régène. Il nous faut un heal en récup, ils sont en def. Ah, je suis trop loin pour bouger. Eh ben alors, on n'attend pas Patrick. Avorti. Ah, c'est toi qui as la bourre. J'ai un BG depuis 10 minutes facile. Allo, call, attaque le mage peut-être. Attaque, ouais, attaque le mage de là. Ils sont 4 à arriver. Tu peux te planquer là. Planque-toi, planque-toi. Je me mets invulnérable. Oh. Reste sur le socle, reste sur le socle. Allez les boys, c'est un récup là. Je vais pas tenir 10 ans. Pouf. GG. Vive Paladin! Est-ce que je peux rester en vie par contre? Non, je suis dead. Un démon cruel!
te tiens rien. Non, je te tiens pas. Courage, fuyons. Non, Paladin, c'est honteux. C'est très bien, Paladin Hill. Genre, il y a même internet en ce moment par rapport au Paladin Vindict et au Paladin Prot de Shadowland. Je lisais ça dans les commentaires web, etc. T'as les Paladins Vindict qui arrêtent pas de pleurer, puis les Paladins Tank qui disent je vois pas le problème. Valred, c'est trop bien. Oh, Yabi, il se fait agresser dans la cabane. Je me suis étourdi moi-même. Ah ben bravo. Il est où leur porteur? Il est là, il traverse. Go sur le porteur ennemi. C'est pas le démoniste le porteur ennemi les gars. C'est le paladin qui est dans la flotte. Attaquer notre chaman. Je vais vers le chaman parce qu'il va se faire défoncer. Il arrête pas de coller les murs au lieu de passer par le centre. Comment tu veux que je l'assiste s'il est de l'autre côté? Attaquer en même temps le paladin. Soigne-toi et rien en avançant. Holy shit! Qu'est-ce qu'il fout? Bon, finalement, ça nous fait gagner un peu de temps. Ils sont tous en défense chez eux. Ouais, on peut full def là, reste ici rien full def. Ah, t'as fait attaque tous les gens qui approchent là. Pas trop loin par contre. C'est un peu anticlimatique ce genre de fin. Genre les full def, anticlimatique. C'est pas ça le bon mot? Que je me trompe? Justement le fait que on était dans l'action et tout à fond, puis là il se passe plus rien parce que en full def. Anticlimatique.
Oh, GG, easy. Tain, deux paladins. First. Gondir, il s'est pas très bien débrouillé pour un palais sacré. Il y aurait Artega, il aurait gueulé dessus. Je vais péter un câble. Pendant qu'Artega il va au centre, vient avec Newton. C'est des Anglais en face. Oh, ah non, des Allemands. Il y a Daipolin. Go, 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 go. Donc combien en face? 1, 2, 3. Je cage le prêtre homme, on focus le prêtre heal. T'es prêt pour le silence? Je le stun. Je le roast. Ah non, nickel. Pff, GG. Voilà, wombo combo. Ah, il a raise. Roasten à nouveau. Nickel. Voilà, c'est comme ça qu'on doit toujours jouer. À deux, la bim. Il a rien pu faire. Il est en évasion. Enfin, c'est pas évasion, c'est disparition. Avec le talent GTJ qui fait que. Évite toutes les attaques. Et pendant ce temps au centre, ils se font défoncer. Ok, essayons de traverser pour aller prendre le flag. On reviendra défendre ici si ça attaque plus tard. C'est Yarak qui a le flag. Demolish Destro. Ils ont une compo assez folle quand même. Deux Ombres, deux Afflis, deux Destro. Ok, il a posé, ça sert à rien d'y aller. On a eu le team fight. Vous avez eu le team fight, mais vous avez perdu le flag. Ok, lui il est mort, Euphoria. J'adore, il y a un DK qui m'empoigne, Dragel. Je sais pas si c'était voulu ou pas, quand j'étais CM. Je suis sur Xuta. Je cache le second. On se venge encore pour le BG avec les Russes. Bah non, pas pour la vengeance, écoutez, écoutons Uther, pour la justice. Exactement. Pour la justice. Il y a un druide qui a besoin d'aide à Draenei. Tiens, Ryan, on va aider le druide. Attends, suis-nous, qu'est-ce que tu fous avec les pick-up? Oh non. Il revient vers nous. Pas besoin d'aller l'aider.
Il a abandonné FZ qui s'est vu buter à Draenei. Le chaman il est où? Non, il est de l'autre côté quand même, hein, à saccageur. T'avais guéri en bas de la pente. Pauvre guerrier, il va mourir sans pouvoir faire quoi que ce soit. Attention, derrière toi. T'as Hippoline! On a deux, un prêtre et un démoniste, il y en a un second sur le côté aussi. Tu vois, j'adore Z-Event qui va tout seul à une tour. Au lieu de demander d'aller aider au centre pour le flag, s'il trouve que le teamfight, il y a trop de gens déjà. Notre porteur qui va se faire buter. Il y a rien, on va attaquer, on va aider le porteur là, il va mourir. FZ. C'est pas parce qu'il a 2400 de cote Artega qu'il sait jouer en BG. Ou du moins, peut-être qu'il sait jouer, mais il a juste envie de s'amuser tranquille là. Genre tout seul en heal. Même s'il a soigné quelqu'un d'autre dans ce BG, à part lui-même. Waouh! Il a soigné deux personnes à portée. 65% celui-même, mais oui, forcément, avec qui se fight tout seul contre des ennemis qui jouent le BG solo. Après, ça peut être quand même. Enfin, j'allais dire, s'il fait diversion de beaucoup d'ennemis, ça peut être intéressant là, sur le pont par exemple. Et t'as 2-3 joueurs qui vont ninja à la tour pendant ce temps. Genre, ça arrivait souvent avec Antares qui fasse l'appât sur un truc de défense. Et pendant ce temps, je pique un drapeau. Ou l'inverse, je fais l'appât, il pique le drapeau en druide. En forme farouche pour être tout petit à côté du flag et pas se faire remarquer. Tu peux aller vers H, Ryan là. Tu vas pouvoir marquer sans problème. Il y a les mecs qui arrivent là, pouh, ils me poussent. Ouais, je manquerai plus que Shaman apparaît sorti de d'une fougère. Et c'est GG. Ah, Griffé, il m'a battu! Ouais, moi, je tue des gens et je marque des drapeaux. Et je fais moins de dégâts. C'est bon. L'item level sera carrément moins important. Genre, ça sera juste plus 2, plus 3. Parce que ils peuvent pas rendre le stuff PvP plus haut que du mythique. Du raid mythique, quoi. C'est sûr. C'est quoi, c'est des Russes? Même pas. Il y en a un qui a 180 000 PV, mais les autres ils sont bien équipés. Il y en a un qui passe, un démoniste.
Go héros! C'est quoi leur stuff, mon dieu? On les défonce. Oh là là, ce massacre. C'est quoi ces hordes des Allemands? Eh oui. Ah là, ils sont vraiment pas bons là. Ils ont deux mecs stuff de la chouette. On peut farm cimetière ce BG, c'est sûr et certain. Merde, j'ai lancé trop loin mon piège. En plus, je suis content, j'ai mon chasseur. Je vais pouvoir taper un petit peu les mecs en haut là. Mais bon, pas à fond parce que mon pet il peut pas monter. Ils font chier à avoir fait ce cimetière impossible d'accès pour les mêlés pets. Hein. Contrairement au cimetière du goulet où on peut y aller. Attendez, j'ai une idée. Piège explosif. Oh, raté. Faut que j'en remette un autre. Ils sont bloqués là mes pets, ils peuvent pas attaquer. Ouais, descend guerrier, viens-t'en. En plus, c'est un gladiateur ce mec. Il a le stuff gladiateur BFA S1. Pas BFA, WOD. Rafale d'Hadouken, j'ai mis un piège explosif juste derrière leur truc de pop. Il y en a qui réapparaissent. J'espère que ça va les faire tomber. Allez, ripop. Hip hop les pas beau, cette nuit. Oh, ils sont pas drôles. Du coup, on parlait de quoi? Ah oui. Que probablement le up des objets de conquête sur Shadowlands, ça va être minime. Genre plus 2, plus 2, plus 2. Plus 3 pour atteindre l'équivalent du raid mythique. Mais en soi c'est pas mal, j'aime cette idée là. Stuff PP foireux de Shadowland. C'est pas foireux, c'est juste que le en début d'extension ça va être intéressant les points d'honneur. Mais une fois un mois passé ça sera plus du tout intéressant. La seule chose qui sera utile c'est points de conquête. Mythique plus. Ah oui, un démoniste. Attendez, je le fais tomber. Ah, je crois que mon piège il marche pas en haut. Qui se fait attaquer? Pas dingue, se fait attaquer. Il y a un ennemi chez nous. Démoniste.
Avec la courbe high level, ils veulent que les gens se sentent pas forcés d'y faire du PvE pour PvP. Ah, c'est sûr que les top. Ouh, GG. 0 VH. C'est réduit de 30% champ de bataille le bonus polyvalence. Parce que c'est trop fort, je trouve. Nous avons Gazelle qui est AFK. Isondre. Non, c'est bon, il bouge. Battez-vous, on les laisse pas passer, bordel! Qu'est-ce que t'as fait, oh non, pourquoi t'as fait ta. Pourquoi t'as fait ta fumée, t'as trompé de bouton? On va se faire rouler dessus, on est que. Focus les guerriers là, en reculant! Ok, c'est bon, on a tué le healer. Ils sont en PLS aussi, un petit peu, je sais pas pourquoi. J'attends, il va dire, oh, mais c'est grâce à moi. Ils savent pas quoi faire, les hordes. Quel massacre. Yo, Zizi31. Allo, Carpa, je m'appelle pas Zizi. Comment vas-tu? Yes, go attaquer le moine. Putain, si tu peux escorter le porteur. Ça va et vous? Ça va, ça va. Aujourd'hui, je stream seulement jusqu'à 21h. Il y a une connexion des serveurs très tard avec Aitrig. Oh là, j'ai deux ennemis pas beaux avec moi. Merde, je me suis trompé. Essaye de faire venir Griffia sur le stream. Bah, je le spam comment dire. Ma pub assez régulièrement. Et il est jamais venu. Donc je pense pas que il fait attention que ça l'intéresse. Ou alors il est dans les ombres. Ah, nous aussi sur Kirin Tor. Pile quand je suis au boulot, c'est cool. Moi je suis assez content de cette connexion là. Je trouvais que nos serveurs au niveau de hôtel de vente étaient un peu vides. Même si j'étais content pour la vente d'enchantement. Je préfère qu'il y ait un peu plus de monde pour les objets de transmo, etc. Vendre à partir de lundi, retour au chômage partiel. Est-ce que t'es content? Tu vas pouvoir farmer à fond sur WoW. Ah oui, pour moi la sortie de Shadowland, je vais poser mes vacances. Pour avoir, j'espère pouvoir prendre 2 semaines au moins pour jouer toute la journée. C'est ça, je bosse, je suis employé comme programmeur à temps plein, mais je travaille de chez moi. Et justement, en ce moment, j'essaie d'avancer le plus vite possible pour être sûr que quand l'extension va sortir, j'aurai un peu plus de temps libre et pas trop de choses à faire. Puis avec l'inter-serveur, tous les Russes venaient nous piquer nos plantes et nos membranes, alors quel intérêt? Grave, je suis heureux. Sauf que je suis mieux payé que pendant le confinement. Moi aussi, j'ai fait pas mal de chômage cette année. En début d'année. Ah non, il y a l'assurance emploi au Canada. Donc
Donc à partir du moment où tu as travaillé un certain nombre d'heures, tu as droit au chômage. Par contre, il y a des minimums. Genre, quand, si tu as peu de chômage dans ta région, faut que tu travailles beaucoup d'heures pour avoir, y avoir droit. Par contre, s'il y a beaucoup de chômage, ben avec 500 heures, genre, tu peux le récupérer. Mais là, avec, avec la pandémie, toutes les régions ont un taux de chômage énorme, là. Donc tout ça a été mis à jour en fonction. Et j'ai pas mal d'amis qui, pas mal d'amis, mais j'ai quelques amis qui eux aussi étaient mieux payés avec les trucs gouvernementaux, les aides à cause du Covid, que pour travailler. Pareil pour les étudiants. Allez, go récup. Qu'est-ce que tu vises comme objectif, Carpa, au niveau farm? Tu vas essayer de redevenir top 3? Oui. Moi justement avec ma reprise du travail depuis un mois, j'ai perdu des places aussi. J'ai arrêté totalement de farmer. Et en plus, Rouille Plume veut toujours pas me donner la monture et ça me prend... Ça me bloque tous mes persos à Mechagon, parce que j'ai pas envie de les bouger tant que je l'ai pas. Ça me rend fou! Qui c'est qui l'a chopé, le voleur? Triple HXH. Bute-le! Ce jeu, j'ai deuxième point easy. Oh merde. Pourquoi je le tente de le stun? Et quand il tourbillole. Pauvre guerrier, il a utilisé sa potion, sa pierre. Je suis fou. Je suis toujours fou, quasiment full life. Mais le problème du guerrier, c'est qu'il a aucun heal. À Légion, justement, c'était compensé ça. Moi, je m'en rappelle avec ma spé arme. J'ai adoré la spé arme parce qu'à chaque fois que tu dépensais de la rage, tu te soignais. Donc c'était trop bien quoi. Puis ils ont décidé à BFA d'enlever tout ça. Que le guerrier ça redevient une classe qui se soigne pas à part en furie. Donc tous les trucs solo qui étaient ultra bien à Légion, fini. Et là ils remettent à Shadowland justement que quand le guerrier arme se dépense de la rage il se soigne. Comme quoi n'importe quoi la façon dont il change les classes. Alors c'est toujours un pas en avant, deux en arrière. Un pas en avant, deux en arrière. Alors ils ont enlevé le GC, ils ont mis le GCD sur plein de sorts à BFA. Ils les enlèvent, mais pas tous. Gne gne gne. Quel échec! C'est pour ça qu'ils ont sorti les montures. Les montures où si tu restes abonné 6 mois, ils te donnent des montures gratuites.
Parce qu'ils voyaient qu'il y avait une perte énorme d'abonnés, probablement. Et là, les mecs département économie, finance, tout ça, ils ont dit, oh les gars, sortez-nous quelque chose pour garder les gens abonnés. Et, ok, monture, abonnement 6 mois. Le buff XP il est toujours. Puis là ils ont remis le buff réputation depuis hier, mardi. Mais c'est totalement parce que il y a des gens qui ne renouvellent pas leur abonnement parce qu'ils attendent le pré-patch ou l'extension. Et ils remettent les buffs pour inciter certains joueurs qui hésitent à remettre un mois. Mais à le mettre parce que ah il y a le buff réputation, il manquait des réputations à monter ou trucs du genre. T'imagines pas à quel point le prêtre sacré était meilleur à Légion. Ah je peux comprendre Arte, j'ai eu le même avec le guerrier arme. Enfin, niveau solo, parce que le guerrier arme c'est le meilleur des guerriers actuellement en termes de dégâts PVP là. C'est lui qui tape le plus fort. Mais je suis passé Fury en début d'extension parce qu'il n'y avait plus aucun heal en solo et je détestais ça, ne pas pouvoir faire des monstres en solo et mourir parce que tu peux pas te soigner un petit peu. Ah merde, il m'a eu. Et bim! Moto dans les dents! Et c'est l'une des raisons aussi de pourquoi j'ai switché de classe encore plus que Légion. Parce que même si j'aimais beaucoup mon guerrier à Légion, je me suis forcé à monter mes autres classes que je faisais pas systématiquement dans les extensions passées. À part, mettons, Burning Crusade, où j'avais plein de persos. Et il y en a plein qui étaient cool, quoi. Je faisais plein d'arènes avec mon prêtre, un heal, mon guerrier, un arme. J'ai pas monté le DK à cette époque-là, j'aurais totalement dû à Lich King le monter plus vite. Ça m'a mis un certain temps pour le monter, alors que c'était totalement OP. J'ai cru que Ton il était en train de rager, il écrit démerdez-vous, mais j'avais raté le premier mot oum. Il y a le nain qui se barre. Pourquoi il a plus de mana? Ouh, c'est bon. Oh, tu sais, on peut leur laisser leur dernier point, ils pourront pas gagner. Oh, quoi déjà? Oh putain. C'est la fin des haricots. Arrêt dans 14 minutes. C'est la fin, boys. A priori, le temps qu'on retag et qu'on fasse le BG, je pense pas. Je pense pas qu'on aura le temps d'en faire un autre. Ah non non, on va se dire à demain pour le stream. Genre je pourrais jouer sur notre serveur mais c'est que des persos bas niveau là. Ou juste certains que je me sers à vendre des trucs. C'est pas grave, en plus j'ai des appels à faire pour le boulot. Je vais en profiter pour faire ça aujourd'hui. C'est ça va être 15h. C'est 15h moins 10.
Faut que j'appelle ma banque aussi. Plein de choses à faire. Un conseiller. J'ai tout le monde. C'est un beau massacre. On finit très très bien. Putain, Greffia, il a fait 35 kills. Il se sentait plus là. Oh, je les tue tous. Oh, le kill, c'est presque plus important que les dégâts, je trouve.